Hey, what's up? Bon, allez. Oh, ayo, Minasan! Eh ouais, je suis sur Fallout 4. Hey! Donc voilà, ouais, je fais un peu d'intro pour rigoler. Le fun! Donc voilà, la dernière fois, on s'avait arrêté ici, là, devant ces trois personnes. Je vais parler à Monsieur Simon, alors. Pardon. Si vous n'êtes pas là pour la marchandise, vous pouvez mettre les voiles. Qu'est-ce que vous faites ici? On travaille. Faut bien gagner sa croûte, pas vrai? Le jet tombe pas du ciel. Hey. Ouais. Ok. Hey. Je veux voir vos mains bien en évidence. Vous êtes toujours aussi paranoïaque? C'est une question de survie ici. Ouais. Ok, bon, en fait, c'est juste des dealers. Ok, d'accord. On s'emballe. On s'en branle, on trace notre chemin. Je suis passé par là, je crois. Enfin, je m'en rappelle plus en tout cas. Jérôme! De quoi? De quoi? Vous voulez vous reconvertir en ferrailleur? Y'a plus rien. Un parapluie. Pourquoi pas? On va voir ça quand même. Je vais ouvrir ça hein. M'en fous, c'est en mètre. Je vais pouvoir l'ouvrir. Parce que moi, j'ai mis les bons points où il faut. Voilà. C'est bon. Aucune ouverture me laissera en plan. Ah, je souhaite un truc pour descendre. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a en bas. Que si ça me dit quelque chose cet endroit. Mais ça, j'ai pas récupéré. Voilà, c'est fait. Je sais même pas où je suis. Je suis où? Ok, je suis là, il est devant le poste militaire. Ok, d'accord. Alors, retournez voir Pam. Retournez, ça, il faudra que je retourne là-bas. Ok, d'accord. Obtenez le mot de passe du code défendeur. Ok. Retournez voir Pam. Obtenez le mot de passe de code défendeur. Truc polymère, je fais un chouchouette, ça me dit quelque chose. Attends, c'est où? Il n'y a pas de truc sur la carte là que pour me dire que c'est là. Attendez, là j'ai un truc. C'est là, voilà. Ok. C'est dans ce machin. Je crois que je suis déjà venu dans ce complexe. Mais oui, le polymère, c'est là où je récupérerai mon plastron de mon armure assistée. Mais ouais, c'est là, ouais, c'est ça. Je crois. Enfin, je crois. Je confonds avec un autre. Il faut passer vers là. Voilà. Genre en plus il faut une armure. Non c'est bon. Apparemment j'en ai pas. J'ai pas de rat, sinon j'aurais le compteur que ça fallait. Ah non, c'est avec les ghouls sauvages, ah ouais, c'est les ghouls folles.
Elles sont toutes mortes hein, depuis le temps. Ok, il faut chercher. Ah, c'est en hauteur. Cache thoracique. J'aime bien comment c'est bien. Artifice limite, ça c'est pas mal. Fan anesthésique, enfin un truc pour. Bref. Un truc de compo de craft pour quelque chose d'intéressant. Donc là on passe pas là, tac tac tac, là c'est en plus c'était grand ouvert. Ça aura plus rien de rester là-dedans. Ouais, c'est le roi. Ah, bah, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Celui avec ce stupide robot là qui m'a enfermé là-dedans et m'a filé une combinaison et j'ai dû rentrer dans le machin. Ouais, c'est ça. Allez, on se barre de cet endroit pourri, hein. On va bien se dire, il est vraiment pourri cet endroit. Hein. Voilà. Le mec, il ramasse tout ce qu'il voit. Allez, pousse ça. Ah, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai loupé, non? Un jean. Non, non, en fait, il y a que d'elle. Non. Hop là, on va quitter par là. Tac, tac, tac. Hop là. Voilà, ça c'est fait, c'est récupéré. Tac, tac, tac. Je pense que je vais avoir 3-4 rounds là-bas. Je vais faire ça directos là. Ok, bon. Hey, Dez vous cherche. Je sais. On va faire d'abord voir Pam. Tous les processus sont actifs. Tu peux envoyer un coursier à la cage de la DIA. Récompense versée. Merci. J'espère vraiment que l'Institut ne trouvera jamais ici. En tout cas, pas avant un moment. Beau travail. De notre côté, on a épluché votre rapport. C'était fascinant. Ah, fascinant. Comme si plusieurs pièces du puzzle s'étaient mises en place d'un coup. Notre analyse finale indique que l'Institut est encore plus redoutable que ce qu'on craignait. Si on organise la libération simultanée des 13 synthétiques du Patriote, on ne pourra plus jamais en sauver d'autres. Au lieu de ça, on va en profiter pour sauver tous les synthétiques de l'Institut. Hein? Jusqu'au dernier. Plan ambitieux. Voilà un plan ambitieux. On ne peut pas laisser passer cette chance. L'Institut ne laissera jamais filer ses esclaves sans rien faire. Le plus gros problème, c'est les effectifs. Même si on fait appel à tous nos agents, ce que je compte bien faire, on ne fera pas long feu contre l'Institut. Parlez à Z-114. Si les synthétiques de l'Institut veulent leur liberté, ils vont devoir se battre et risquer leur vie pour la gagner. Même avec certains synthétiques à nos côtés, est-ce que ça suffira? Les synthétiques sont bien plus nombreux que les scientifiques. S'il y en a assez qui se rebellent, ils provoqueront un chaos sans précédent. Et on en profitera pour évacuer un maximum de monde. Ce plan marchera, parce qu'il le faut. On doit beaucoup aux Patriotes, mais on ne sait pas jusqu'où il est prêt à aller.
Ça pourrait le rebuter d'apprendre qu'on est prêt à tuer pour libérer les synthétiques. Alors obtenez de lui ce dont vous avez besoin et coupez les ponts. Bonne chance. On est tous avec vous. Le trajet est dégagé. H22 peut y aller. Je sais. Le docteur Amari m'a dit qu'il était déjà en transit. Beau travail. J'espérais un peu plus qu'une petite tape dans le dos pour me remercier. C'est compréhensible. Cette crise est terminée. Tenez, voilà pour vous. Vous l'avez bien mérité. Ok, voilà, je monte un niveau, tac tac. J'ai atteint un niveau 61. Ouais. Qu'est-ce que je vais augmenter? Non, je peux plus améliorer. Je peux plus améliorer. Je voulais améliorer peut-être. Mouais. C'est quoi la fin? Ça m'intéresse. Ok. Bon, ben pour les qu'on dire ça, je ferai après cette mission que je fais actuellement. Mais là, je trouve que voilà, il y a plus vraiment grand chose. Je vais devoir faire ça et ça, on le fera après. Donc, je vais trouver un aimant de haute intensité. Intensité ? Ouais. Bon, moi, parler français, hein. Ok. J'ai quelques petits bugs. Tac. Avant de récupérer. Ouais, ben, on va récupérer ça maintenant. Ok. Ok, il faut aller dans ce bâtiment là. En plus, la capacité que j'ai pris, elle est pas mal parce que ça réduit le PA consommé. Je trouve que c'est pas mal, hein. Ok, ça a chargé. Il y aura des super mutants à chaque coin de rue ici. Même des cocheurs. J'en sens vie. J'adore cette rue lugubre ici. En fait, c'est pour dire, mais j'en ai plein de mines. Je crois que je vais les utiliser, tiens. On se chips à la con là. Personne en fait. Ok. En même temps, je crois que j'ai tout défoncé deux fois ici, je crois. Ils se sont dit, ah, celui-là, on va le laisser. Hein. On va le laisser fouiller, prendre ce qu'il veut, et voilà. Ouais, je crois qu'il y a que cette option en fait, parce que là, il n'y a aucun ennemi, c'est ouf. Merde, c'est pas un ascenseur ça. Si c'est par là. Vous faites le ramassage des ordures maintenant ? C'est plus vers là. Ah, c'est là-bas.
Je me rappelle pas, je suis rentré dans ça, moi. Non, je suis jamais rentré dans ce machin. Je le jure. Je suis jamais rentré dans ce machin. C'est quoi ça? Qu'un pillard, ouais. Peut-être les que deux. C'est quoi ça? C'est un super mutant. C'est plus un cache-feu. Que ça? En fait, y'a que dalle en fait. Y'a que dalle, ouais. J'ai beau chercher les choses, y'a que dalle. Ok. Ce sera que dalle en fait. Saute comme ça. Ouais. J'ai rien. Truc de ouf quoi. Fait ouais. Oh. Oh. Hey, c'est moi. Ok. Bon, ça c'est récupéré. Je pensais que ça était un peu plus long. Est-ce que ce ruisseau je le connais déjà? Je sais pas. Les endroits que j'ai pas peut-être fouillé. On va faire ça, on va fouiller un petit peu avant dans le machin. Il fait sombre. Ok, ok les gars. Le truc qui veut pas que je monte. Étant yellow. Étant de dark et holo. Bonjour, enchanté. Je détecte des formes. Je vais t'égorger. Vous êtes avec moi. Hein. Pas bien. Enchanté. Moi c'est Guncho. putain, j'ai pas encore fini de découvrir la map en fait. Il y a trop de choses. J'aimerais quand même voir ce machin là. Je crois pas que je l'ai découvert ça. Ah si, j'ai découvert, merde. Ouais, merde. Je pensais le redécouvrir. Mais autrement, ça qui est là-bas, hein, non, je l'ai pas découvert. Hein. Non, c'est une autre couleur. En tout cas, il doit y avoir un truc ou deux là-dedans. C'est impossible. S'il y a rien, moi je dis scandale. Scandale! À l'attaque! Je me disais, oh, ok, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Comment il y a un truc là-bas qui m'intéresse? Je vois pas, je suis proche ou je suis loin? Je sais pas. Ah, mais non, c'est là. Ah, cimetière! Bonjour? Bonjour? Est-ce que j'ai un truc intéressant? Ah oh, ouais, j'ai des mines. Oh! Je crois que nous allons nous amuser.
Merde. Putain, je me suis trompé de bouton et je suis revenu sous le bureau quoi. Sur le cimetière. Oh, piratage! Vous trouvez un numéro de magazine de piratage. Inclus le code source de piratage des tourelles. Ouais! Cool! Le piratage! C'est macabre. Hey. Quoi? Faire la peau. Ta gueule. En mai. Quoi, tu vas me faire la peau? C'est moi qui t'y fais la peau là, mec. Quand les mecs comme ça ils arrivent et hop bam et te dit ouais je suis à la peau ouais. Qu'est-ce que c'est là-bas, je vais quand même visiter. Oh, on va essayer d'avoir ça, moi. Allez, on va à une ville là. M'en fous, j'ai plein de bouffe. J'ai faim. C'est quoi ce machin? Covenant. Vous venez visiter Covenant? Sinon, circulez. Les gens armés qui rôdent dans les parages, c'est pas bon pour les nerfs. Covenant, c'est le nom de cet endroit? Ouais, on est en plein développement. Y a un paquet de marchands qui font étape ici. C'est pas très grand, mais on a des affaires en or. On a un toubib qui peut vous rafistoler. On a même de la limonade. Enfin, c'est comme ça que Deezer l'appelle. Par contre, y a juste une petite formalité. On laisse pas entrer tout le monde. Y a un test à passer d'abord, le test sécurité. Obligatoire. Ah bon. Pour tout le monde.
L'idée est intéressante, mais entre nous, à quoi sert ce test ? Je ferais mieux de me taire. Bon, écoutez, on veut être sûr qu'il n'y a que des gens bien qui viennent à Covenant. Pas d'indésirables. Personne qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, voyez ? Je viens d'arriver par ici. Qu'est-ce que vous voulez dire par indésirable ? Y a pas de quoi s'en faire. C'est quand même ce test psycho-machin truc. Suffit de répondre à des questions, rien de sorcier. Vous voulez passer le test ? Si vous réussissez, je vous laisse rentrer. Il faut vraiment que je passe ce test ? Eh, hey, le règlement, c'est le règlement. On y va ? Pourquoi pas ? D'accord. Bien, asseyez-vous et on pourra commencer. C'est un psychologue ou quoi ? Bon, c'est parti. Y a pas de mauvaise réponse. Un scientifique à l'air dérangé vous aborde en hurlant. Je vais coller mon harmoniseur quantique dans ta chambre de résonance photonique. Quelle est votre réaction ? Ça me fait penser à des questions, ça, tiens. Ouais, moi je l'assomme. Je saisirai un tuyau et je l'assommerai. Un tuyau, vous dites. Question suivante. Vous travaillez comme interne à la clinique quand un patient souffrant d'une étrange infection au pied arrive en boitant. L'infection se propage à une vitesse alarmante, mais le médecin en titre s'est absenté. Que faites-vous ? L'attaché observé. Je lui ampute le pied avant que l'infection se propage. L'amputation. Question suivante. Vous découvrez un jeune garçon perdu dans une grotte. Il a faim et il est effrayé, mais il semble également être en possession d'objets volés. Que faites-vous ? Il fait les poches. Je réconforte le garçon et je lui dis qu'il ne risque plus rien. Très curieux. Félicitations. Vous venez d'intégrer une équipe de baseball. Quel poste souhaitez-vous occuper ? Là, je joue au foot. Je préfère le foot au baseball. Ah ouais ? C'est ce que vous préférez ? Bref, question suivante. Votre grand-mère vous invite à boire le thé. À votre grande surprise, elle vous tend un pistolet et vous demande de tuer quelqu'un. Que faites-vous ? Je lui promets tout ce qu'elle veut pour qu'elle l'épargne. Typique des classes B. Le vieux monsieur Abernathy s'est encore enfermé chez lui et on vous a demandé de le faire sortir de là. Comment procédez-vous ? Oh, putain, je m'en plus ça. Je force la serrure avec une épingle à cheveux. C'est tout ce que vous feriez ? Rien d'autre ? Non, pas la peine de répondre. Question suivante. Oh non ! Suite à une exposition prolongée aux radiations, une main mutante vous a poussé sur le ventre. Quel est le meilleur traitement ? Priez. La chirurgie ! Je coupe la main avec un laser de précision. Penchant pour la technologie. Un voisin possède un exemplaire du premier numéro de la BD Grognac le Barbare. Vous le voulez. Comment vous y prenez-vous ? Échanger. Je lui échange contre un autre numéro de ma collection. C'est presque fini. Dernière question. Vous décidez de faire une petite farce à votre père. Vous entrez dans sa salle de bain personnelle. Je me rappelle cette question. Je desserre les boulons des conduites d'eau. Quand il ouvrira le robinet, il aura une sacrée surprise. Test terminé. Personne n'a jamais répondu comme ça, mais bon. Vous avez réussi. Je vais vous ouvrir. C'est tout ? Pittoresque. Si on fait abstraction des murs de prison, bien entendu. Salut, Swanson. Allez-y. En général, les visiteurs s'arrêtent d'abord à la boutique de Penny. Ok, mais si tu me dévrouilles pas la part, je vais pas aller loin. Comme ça, je vais en profiter pour vendre, je pense. Je vais faire bienvenue ça, je crois. Bienvenue à Covenant. Merci, monsieur. Bienvenue à Covenant. Au moins, mon repos peut venir. La caravane est passée par ici il y a quelques jours. C'est le vieux Stockton qui l'a affrété. Vous l'avez vu, non ? Oui, pas réel. Je ne devrais vraiment pas vous parler. Parce que je suis occupé et tout ça. C'est pas Diamond City, ici. Quand une caravane de 5 personnes passe... Donc, c'est qu'ils ne sont pas passés par là. Dites, vous voulez pas plutôt une limonade ? Je suis pas là pour boire une limonade. Vous êtes sur ce sol, comme vous. J'aimerais bien vous aider, mais...
Ouais. J'adore ton juste cœur. Le mec, c'est... Dan. Vous êtes du coin? J'espère que non. On ira le bol de ces technos. Vous avez un problème avec les gens du coin? Tous ces faux sourires et ces beaux discours, ça me porte sur les nerfs. Plus vite je m'en irai, mieux ça sera. Vous avez entendu parler de la caravane de Stockton? Bien sûr que j'ai entendu parler de... De qui, déjà? Vous valez pas mieux que le reste de ces imbéciles. Le vieux Stockton m'a engagé pour retrouver sa caravane perdue. Ce qu'il en reste se trouve juste en dehors de la ville. Elle a fait étape ici, juste avant. Alors j'essaie de rassembler les pièces du puzzle. Mais tout le monde me fait tourner en rond. J'ai une proposition à vous faire. Aidez-moi à retrouver les gens de Stockton et on partagera la récompense. Il y a au moins un survivant. Et j'ai bien l'intention de remplir ma part du contrat. Si je vous aide, je veux une avance. On fera moitié-moitié. Et vu tout le boulot que j'ai déjà fait, je pense que c'est plus que généreux. Alors, ok. Ça vous va? Bon, allez. Qui est-ce qu'on cherche? On se concentre sur la fille de Stockton, Amelia. J'ai pas trouvé de cadavre de femme. Donc il reste de l'espoir. Si on la trouve, Stockton nous couvrira de capsules. Ça me paraît équitable. C'est d'accord. Voilà tout ce que je sais sur la caravane. Ah, j'ai aucune preuve. Mais je pense que Covenant est dans le coup. Et je vais continuer à fouiner. Faites-moi signe si vous trouvez quoi que ce soit. Ok. L'erreur est humaine. Optionnel, fouiner la caravane et tout. Si vous avez besoin de quelque chose qu'on n'a pas, adressez-vous à Jacob. Ah, je peux prendre des chewing-gums. Ah, je peux prendre. Ça fait plaisir de voir une nouvelle tête dans le coin. Salut. Bien le bonjour. Je m'appelle Jacob. Et c'est moi qui dirige cette ville. Heureux que vous ayez réussi le test. Nos portes sont toujours ouvertes aux gens de qualité. Vous pouvez dormir dans l'un des lits de la chambre d'hôte. Et je vous conseille la boutique de Penny. Il y a autre chose en ville? En cas de blessure, le docteur Patricia se fera un plaisir de vous remettre sur pied. Pour un coup modique, bien sûr. Sinon, je vous conseille de rester à l'écart de Monsieur Dan. J'ai reçu des plaintes à son sujet. Je peux vous poser quelques questions? Je vous écoute. Je vous écoute. Vous savez quelque chose sur une caravane qui a disparu? Vous voulez parler des gens de Stockton? Comme je l'ai dit je ne sais combien de fois à Monsieur Dan, on n'a rien vu du tout. Cet endroit a presque l'air de dater d'avant-guerre. Comment vous faites? Ça demande du travail, des tractations commerciales judicieuses, et le désir d'avoir une communauté saine. C'est un travail d'équipe. Je dois y aller. Bonne journée. Bonne journée. Excusez-moi. Et voilà, l'épisode se termine ici, parce qu'en fait, la vidéo, quand j'avais enregistré, elle mesurait plus d'une heure. Donc voilà, donc je l'ai partagé en deux. Donc voilà, donc si vous voulez suivre la suite, ben rendez-vous dans deux jours. Donc voilà, c'était Gacho. Bye bye.